What's up tout le monde, c'est Christophe Janien, ce sont les Breaking News à propos du jeu GTA V. Ça va être lié en fait entre le mode solo et le mode online. À propos d'une sorte de nouveau DLC, on a eu une sorte d'image qui a été leakée. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous le montrer sur l'écran puisque je peux avoir des problèmes de copyright si c'est vraiment le cas. En tout cas, si ça est vraiment un produit, enfin si vous voulez, si c'est vraiment un futur DLC de Rockstar, je peux avoir des petits soucis. La vidéo peut être supprimée ou avoir des petits problèmes là-dessus. On va pas prendre le risque, ça va être dans la description. Je mettrai un lien. Donc où j'ai hébergé donc tout simplement l'image à laquelle vous pouvez regarder. Alors d'ailleurs ça en parle beaucoup en ce moment. Et qu'est-ce que c'est que cette arme là? On peut remarquer bah c'est pas une arme banale en fait quelque part comme je sais pas un truc tout simplement avec la gâchette. Là on a une sorte de petite bouteille à gaz avec de devant une sorte de petit truc, une sorte d'allumette en fait finalement pour avec une sorte de petite mèche en fait. Et à quoi ça peut servir? Bah c'est tout simplement un lance-flamme. Si vous regardez bien l'image en elle-même, au niveau de son design, tout ça, de sa façon d'être, et bien voilà, ça ressemble à cette arme là. Alors attention, ça prend par des pincettes ou pas, ça peut être du fake ou pas. Vous savez tous qu'il y a eu quand même des informations qui ont été leakées quelque part, où il y a eu des personnes qui sont apparemment rentrées dans le jeu, enfin si vous voulez, dans les données un peu du jeu, c'est un peu compliqué, et puis qui ont pu un peu ligoter des informations telles que par exemple la Turismo, la G36C, des trucs comme ça, hein, et qui s'avèrent être juste en fait. Hein, c'était des informations qui ont été dites peut-être une semaine avant que Rockstar officialise l'info en tant que DLC, une nouvelle mise à jour. Donc quelque part on pourrait se dire, d'ailleurs même on peut en parler, hein, lance-flamme, ça peut être une très bonne idée, bah, déjà dans le mode multijoueur ou que ce soit aussi dans le mode solo. Je pense que ça peut être une très bonne chose à laquelle bah, ça peut, voilà, ça, on peut vraiment s'éclater avec, des interactions supplémentaires. Voilà, une sorte d'activité un peu supplémentaire. Bien sûr, il n'y aura pas qu'une arme. Il n'y aura pas que le lance-flamme en tant que DLC. Hein. Déjà, il y aura plein de glitchs qui seront patchés. Et puis, voilà, ils vont faire le nécessaire pour améliorer le jeu en lui-même. Et puis, bien sûr, pour peut-être sortir quelques véhicules, comme j'en avais déjà parlé, de véhicules qui pourront potentiellement apparaître prochainement. Et puis, certainement, avec en tant qu'arme, le lance-flamme. Après, ça va dépendre de eux, comment ils vont choisir au niveau des ajouts d'objets, de véhicules. Bien sûr, ils vont pas mettre un super bon pack DLC et puis après mettre un DLC moins bien. Ils vont essayer de mettre, on va dire, des packs de DLC plutôt. Déjà, ils vont essayer de l'élever, pas que ce soit moyen, mais plutôt élevé au niveau de la, voilà, au niveau des objets, des véhicules. Je sais pas si vous me comprenez, c'est-à-dire que ils vont essayer de répartir un peu les choses sur des DLC qu'ils ont prévus, hein. C'est-à-dire que là, le prochain DLC, Rockstar l'ont prévu et celui d'après aussi. Ils sont pas débiles, ils réfléchissent un peu, ils anticipent en fait à tout ça. Et donc, on sait pas du tout quand est-ce qu'il peut apparaître le lance-flamme. En tout cas, c'est une très bonne idée. J'ai pu voir ça et puis, honnêtement, voilà, c'est une très bonne chose. Donc, merci de me dire ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires. C'est une petite vidéo en tant que fin de week-end. Et puis la semaine prochaine, tout le monde reprend les cours. Enfin, je sais qu'il y en a qui ont déjà repris les cours, mais quelque part, par exemple, ceux qui sont de la région Rhône-Alpes, donc y compris moi, voilà, c'est la rentrée demain, malheureusement. Et puis, voilà, je crois qu'il y a 6 semaines de cours, donc c'est pas très long. Voilà, donc merci à vous tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. Vous faites comme vous voulez, surtout de me suivre sur la page YouTube personnelle. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Peace out.